Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Alors on s'était quitté sur le petit nettoyage de la zone Kert qui était ici et on était en train de faire les quêtes secondaires Deos. Tiens d'ailleurs c'est quoi ça? Enfin on verra ça plus tard. J'ai des quêtes secondaires un peu partout qui ont popé. Vous voyez hein, j'ai beaucoup de choses à faire encore. Mais je vais peut-être en profiter pour... Non, et on va... Purée, il va falloir remonter. C'est peut-être plus simple de repartir d'en haut que de faire le chemin remonter comme ça. Ouais, je pense que c'est plus simple. On va partir de là-haut. Pourquoi il est désactivé pendant les combats? Ah, d'accord. Et il faut lui passer dessus combien de fois pour qu'il crève? Ah, mais ça me gêne pas. Voilà. Donc on va partir là-haut et puis on va redescendre. On va aller explorer un petit peu. Un petit peu d'exploration, ça fait partie des charmes de ce jeu. Si vous aimez pas l'exploration, je pense que vous aimez pas ce jeu tout simplement. Bien que niveau exploration, ça soit assez réduit quand même par rapport à ce que j'imaginais. Bah, regardez, quand je parle d'exploration, il suffit de regarder la carte. Il y a tout qui est indiqué. Il y a tout. Vous jouez à ça ou vous jouez à Guild Wars 2, c'est pareil. Donc voilà, donc là je vais descendre. C'est quoi ça? C'est les drones. Donc je vais descendre. Je vais trouver ça. Faire celui-là et celui-là en même temps, si je peux. Si je peux, hein, parce que des fois on a l'impression que c'est à côté alors qu'en fait on est vachement plus loin. Dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Est-ce qu'il faut que je descende? Non, faut pas que je descende. Faut que j'aille sur ma gauche, dans la montagne. Est-ce que j'arrive à y aller par là? Donc déjà là-bas, ils ont ravitaillé les cartes. Ça, on y est allé. Hein. Le secteur là-bas, on l'a fait. Voilà, faut qu'on longe. Ici, il y a des cartes aussi. Ouais, on va. De la technologie Kert. C'est pas, on dirait, c'est sûr, c'est même le vaisseau qui s'envole. Ouvrez l'œil. On va éviter le combat, hein. On va faire comme avec les mémos, on va essayer de pas de rentrer dans la zone d'aggro. Sérieux? Tu me dis d'aller voir, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Poche d'énergie du fléau, il n'y a pas un truc à miner là, c'est quoi ça? L'élément zéro. Oh, conteneur. Ok. Bon. Je serais pas venu pour rien au moins ici. Par contre, faut vraiment que j'aille que je débloque des niveaux ou que j'aille vendre quelque chose. Faut que je remonte sur la droite. C'est là-haut. Faut que j'aille sur le plateau. Voilà. Donc vous voyez quand on sait s'y prendre, on peut aller à peu près n'importe où. On se croirait dans la gueule d'un dragon. C'est par là, faut que j'aille. Je me demande ce que formaient tous ces morceaux de technologie reliquade. Un monolithe au sol? Un truc pareil aurait volé en éclats. Qu'est-ce que ce truc? Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc ça c'est fait. On va aller placer le marteau sismique à droite. Les zones minières.
minières sont disponibles dans cette région, pionnier. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. Pionnier, voilà. Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Voilà, 38 de fer. Par contre, c'est vrai. Il y a un bruit bizarre, il y a un truc par là-bas. C'est vraiment énorme. Des ennemis ! Oh Dieu ! Un coup on les voit, un coup on les voit plus, ils deviennent invisibles ou... Ou c'est parce que je suis pas censé les voir et que je les ai vus la première fois ? On a de la compagnie. C'est qui ça ? Ils n'ont pas l'air de plaisanter. Oh, du calme les gars, du calme. Déjà ce sont des hommes. Et des femmes. Éclaireur. Toi, t'as la même tête du type que j'ai vu tout à l'heure. Inutile de vous demander si vous êtes amis ou ennemis. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un du Nexus dans le coin. On vient de la nation souveraine d'Avent, à quelques centaines de clics dans cette direction. Notre nation hors de toute ingérence du Nexus. On n'a pas rejoint Andromède pour soutenir le régime de Tan. Ça sent les exilés. Avent ne compte que des citoyens libres. Alors je vais pas dire qu'il n'y a rien par là-bas, je vais leur dire que je viens en paix. Hein? J'ai rien contre vous ni contre Avent. Je suis là en mission. Et moi, je n'ai rien contre les pionniers. On a un travail en commun. Le niveau de notre nappe phréatique a baissé, comme si les rivières souterraines s'étaient asséchées. Le problème semble venir d'ici. L'activité sismique est importante par ici. On s'en sert avec un marteau de prospection pour exploiter les rivières. Et merde. Avent a besoin de cette source d'eau pour rester indépendante. Est-ce que... un arrangement serait possible ? On a détecté un énorme gisement de gaz naturel par ici. Vous jouez du marteau, on l'extrait et on le vend à votre avant-poste. Tout le monde y gagne. L'environnement, j'en ai rien à foutre. J'ai pas... Honnêtement, l'espèce humaine vient d'arriver dans une nouvelle galaxie. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Donc oui, faut qu'il y ait des relations gagnant-gagnant, ça c'est clair. Bon, c'est d'accord. Parfait. Je peux vous indiquer où frapper et faire venir nos mineurs. La nation d'Avent vous remercie. Tiens, dis-moi un peu ce que tu en sais du Nexus, toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai parcouru de millions d'années-lumière pour être au service de quelqu'un d'autre. Le Nexus veut que les gens attendent sa permission avant de commencer leur nouvelle vie. On est nombreux à refuser d'attendre. Oui, mais il y a quand même un ordre à avoir. On peut pas tous partir comme ça, comme des bourrins sur Eos, alors qu'il n'y a pas la place, quoi. Parle-moi un peu de ta nation. Tu fais partie d'une nation indépendante. À quoi elle ressemble ? Avent, c'est une petite nation. Mais elle grandit très bien sans l'appui du Nexus. Notre capitale, Aurora, est dans un creux agréable et plein de grottes. À l'abri des tempêtes. C'est plutôt douillet. Paix, hostilité. Eh, on est des colons et des explorateurs, pas des enfoirés de pirates. Si vous respectez nos frontières, il n'y aura aucun problème. Oh, oh, oh. Vos frontières ? On reste peut-être pas de potes très longtemps. Les reliquats, ces espèces de robots ? On en voit des petits de temps en temps. S'il y en a ici aussi, alors peut-être qu'ils sont partout sur cette planète ? Ok. J'y vais. Bonne chance à vous. Placer le deuxième marteau pour fourrer. Il faut le placer où ? Moi je veux bien le placer, hein, mais il faut me montrer où. Je suis là. C'est quoi ça ? Marteau afin de fourrer pour trouver de l'eau. Et là c'est un marteau. Et il faut que je choisisse ou faut je peux faire les deux ? Est-ce qu'il y a des choses à scaler déjà ? Wow, Cora, grimpe pas sur tout le monde, tu vas leur faire peur. Après, si tu grimpes sur quelqu'un, je suis partant, quoi, mais... Faut qu'on soit en plus petit comité, quoi. Hop, ok. Donc, ils sont bien invisibles. Et je suis sûr que quand je vais l'activer... Putain, ça va... Le courant a été dévié, mais on peut exploiter les rivières souterraines à partir d'ici. Je vais refaire le plein de munitions avant. Le gisement de gaz est dans l'autre site. Ça pourrait aider Avent. Mais on peut pas faire les deux. Ah, merde. Très bien. C'est parti pour le deuxième marteau.
Encore des reliquats! J'en étais sûr qu'on pouvait pas faire les deux. C'était trop beau pour être vrai. Ces coups ne viennent pas des marteaux ni des reliquats. Qu'est-ce qui se passe? Pionnier, le cours d'eau souterrain a été dévié, mais pas suffisamment. Indique-moi un autre emplacement pour le marteau, Sam. Un dernier coup devrait suffire. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai fait une connerie. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Donc ouais. Bon, en même temps, ouais, ils font chier. Ils se croient chez eux là, alors qu'ils y sont pas. Bon, honnêtement, c'était pas calculé que je me trompe et que je fasse. Et que je fasse ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est fait. Ça sert à rien d'essayer de revenir dessus. Oh là, il y a un truc juste avant. Un petit peu de mine. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Peut-être plus par là-bas. Excusez-moi, j'essaie de... Mais le loot, c'est important. T'es sérieux, y'a que ça? C'est où le pic? Il est où? Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Il y a un petit bout d'aluminium qui se balade par là, je sais pas où. Bon, bah, ma foi, tant pis. On va pas non plus y passer 10 minutes. Vous n'êtes pas là pour pouvoir chercher des ressources. Et moi, je suis pas là que pour en chercher. Ah, c'est qui? Ah, mais c'est mon produit minage. Dernier marteau. Avec ça, ça devrait être bon. Tout le monde est prêt? Ah! Ouais. Et tu veux que je batte ça? Non mais t'es sérieux, t'as vu ce que c'est? C'est énorme! Comment tu veux que je batte? T'es sérieux, j'ai pas de niveau pour battre ça! Il les emmerde. Sérieux, c'est ça que je dois battre? Mon dieu, il m'a séché en un rien de temps. Putain, mais même à couvert, il me déglingue la rondelle. En voilà d'autres. Mais comment tu veux que je batte ça? Pardon, je suis grossier, mais... Comment tu veux que j'arrive à battre ça? C'est pas son vulnérable.
Les pattes qui sont vulnérables, elle a dit. Ah oui. Mais c'est un vrai boss de raid. Ok, tant qu'il y a les adds, tant qu'il y a les mobs, je peux pas tirer. Voilà, donc là c'est revenu. Ouais ouais, pousse-toi de là. J'allais refaire le plein de munitions, j'en ai plus. Il s'est fait des copains. Ouais, bah j'ai bien compris qu'il s'est fait des copains, mais... Ouais, j'ai vu qu'il y avait les grenades là qui arrivaient. C'est vrai, mais c'est un vrai boss, hein. Il est compliqué à tomber celui-là. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a ses copains qui arrivent là. Visez la tête. La tête, elle est où la tête? Heureusement qu'il y a Cora pour donner les consignes. Hop. Et j'ai vu qu'il y avait un truc de vie pas loin. Ah, c'est bon, ça revient. Faut viser où là? Ok, faut s'occuper des copains. Remarquez, c'est bien, au moins ça m'apprend à esquiver parce que j'esquive jamais. Visez
Voilà. La tête ! Tirez-lui dans la tête ! Elles sont où les munitions ? Je veux bien tirer à la tête, mais j'ai plus de munitions. Ah putain. On reprend, on va y arriver. Ouh. Ah, ça commence à être tendu du cible, hein. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Ok. On va y arriver ce coup-ci. Bon, c'est ma première mort. Dernier marteau. Avec ça, ça devrait être bon. Tout le monde est prêt ? Quoi que ça sert à rien, il va y avoir la cinématique. Ah, j'aurais peut-être dû attribuer mes compétences avant. Je crois que j'ai des points de compétences qui sont pas attribués. Bon, on va y arriver, faut pas partir pessimiste. Par contre, c'est vrai que c'est un putain de boss, ça. Bon, bah déjà, il faut pas que je gaspille mes munitions pour lui tirer dessus quand ils disent pas qu'il faut tirer dessus. Ouais, il y a des points faibles qui s'activent de temps en temps. Ça fait des copains. Ouais, le conduit là. La tête est à découvert, c'est le moment. Allez, on va essayer d'allumer. Putain, j'ai le PC qui est en train de chauffer, vous vous rendez même pas compte. Là, il a plus rien de vulnérable, il va faire pop des ZAD. C'est un vrai boss de raid. Et où ça peut être, elle est là. Hop, je charge, il est chargé. Explosion de feu. Voilà. Il va revenir. Il prend la fuite, venez.
Venez où? Ok, faut suivre. Faut le suivre? À pied ou en véhicule? On se téléportera, c'est pas grave. J'ai peur que si je monte dans le véhicule, ça me fasse quitter la mission. Allez, on se met à couvert. On sort de là où eux. Alors là, t'as... T'as découvert, c'est le moment. Hop, on esquive, on tire. Sur quoi on va nous faire tirer là, les pattes, la tête. Fabrique des renforts. Hop. Excusez-moi, je parle pas beaucoup là, je suis concentré à mort. Là, j'aurais peut-être eu les gars de l'avant qui seraient venus m'aider si je les avais si je les avais paniqués. Dites-moi si vous l'avez déjà fait. On est bien parti. Ouais, il en reste plus qu'une. Donc normalement, il va s'envoler, il va aller se mettre à l'abri ailleurs. Il n'y a plus de munitions là. Ouais bah avant qu'il échappe à tes capteurs, il y a de la marge ma grosse. Hein. C'est tout ce que ça prend? Ok, il retourne vers le premier site. Non. Hop, j'attends que mes pouvoirs reviennent. Hop. Hop. Voilà, oh, purée. Il est en train de me mettre cher. La santé a pas été restaurée à fond.
Voilà, explosion de feu. Ça, c'est les combos. Il fabrique où. Tiens. Ils sont où? Les pattes? Comment ça les pattes? J'avais pas déjà eu? On est bien parti. On est bien parti, n'empêche j'ai plus de munitions ici. Allez, faut tout mettre. Voilà, on va y arriver. Allez Joe, vas-y Joe, tire tout, putain, bon Dieu, tu l'as tout mis dans la gueule. C'est le moment de vous connecter. Me connecter où? T'es sérieux, faut que je me connecte à ça? Je m'attendais vraiment pas à ça, mais... Waouh! Ryder, ici Envy à l'avant-poste. Les relevés sismiques viennent de s'emballer, qu'est-ce que c'était? Sa mère! Un reliquat de la taille d'un immeuble. Pardon? Enfin, au moins, vous n'avez rien. Vous avez empêché ce monstre d'approcher de l'avant-poste. Bien joué. Envy, droit devant! Allez, on va se retirer là-haut. Pouh! C'était chaud. Et bah, bon, putain, on m'aurait dit que j'aurais un truc à affronter un truc comme ça, j'aurais pas cru. Ouais, chaud. Chaud. Il n'y a pas de dépouille, j'ai rien à looter là. Ah si, il y a des dépouilles un peu partout. On va looter. Faut vraiment que j'aille vendre des choses qui me servent à rien, voir du Tempête ou du Nexus. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille à bord du Tempête. On va revenir sur Eos après. Il n'y a rien ici. On va aller à bord du Tempête pour faire le tri dans l'inventaire parce que j'ai trop de choses là. C'est pareil, il faut que j'aille en bas. Il faut que j'aille voir ce qui se passe en bas. Je dois bien avoir du loot ici aussi. Wow. Comme ça, à peine sortie, elle s'est retrouvée catapultée dans les cieux. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de loot ici. Bah, ma foi, tant pis. Hop. Faites voir, j'en suis où là? Viabilité 96% les amis, 96%. Ouais, on va retourner à bord du Tempête parce que là j'ai tout qui est plein.
J'ai tout qui est plein, faut vraiment que je vide l'inventaire, à moins qu'il y ait un truc... Non, il doit y avoir un marchand ici, là. Là, il doit y avoir un marchand dans sa avant-poste. Il doit y avoir un marchand à Podromos, là. Non, ça, c'est mon marqueur. Station de recherche. Ouais, je vais aller lui parler en même temps. Elle est où, elle? Ce sera par là-bas. La fluorite. Il y a toujours de personnages qu'on dirait qui est bourré là-bas. On va quand même explorer un petit peu par ici. Il y a quoi là? Ah non, c'est le responsable de l'approvisionnement. Tu m'achèterais pas des choses, toi, par hasard? Je peux pas vider mon inventaire en te parlant. Pionnier, Vetra, vous avez besoin de quelque chose? Non. À plus tard. Portez-vous bien. Revenez quand vous voulez. Là. Ouais, c'est ici mes quêtes secondaires. Et toi, tu es qui? Marchand. Faut vraiment que je fasse le vide, là. Vendre tous les objets de récupération. Ok. Donc, c'est fait. Dag. Je suis à combien? Je suis toujours à 50 sur 50. Bon, on va voir ce que je peux vendre. Mode fusion, ultra rare. Donc ça, je vais garder. Le piranha, ultra rare. Collision, je m'en fous, c'est... Ouais, mais c'est du rare, mais c'est du niveau 1. Ça me sert à quoi? Sélectionner. Allez, on va vendre. On va vendre, c'est pas grave. Tout ce qui est niveau 1, je vends, c'est rare, mais... Ça, j'y mettrai jamais, quoi, l'armure charognard. Ça prend de la place pour rien, quoi. Ça, c'est mon... C'est ce que j'ai? Ah non. Mais je vais le vendre. Je peux les vendre ou je peux les... voulez-vous quitter? Oui, je vais voir dans mon inventaire. Armes. Détruire. Comme ça, je récupère les loot. Voilà, j'ai pas besoin des... Les trucs qui me serviront pas, faut que je les vire, c'est le truc carte, là. Ça, je m'en fous. Hop. Décomposer. Casque charognard, ouais. Casque intersidéral. Ah, ça c'est l'armure. Ça, je vais peut-être pas le casser. Ça, je le mettrai pas. En plus, c'est une... Kert. Je mettrai jamais d'armure Kert. Je sais que c'est con parce que ça, le stuff est probablement mieux que le mien. Mais je peux pas. J'ai pas utilisé des trucs comme ça, quoi. Faut pas déconner. Arme, j'ai quoi encore? Ouais. Ah, ce sont des modes, pardon. Mode. Fusil de précision, j'en ai 3, ça me sert à rien d'en avoir 3. Ça, c'est celui que j'ai actuellement. Ça, c'est celui que j'ai fait. Donc, je vais le casser. Et l'ana, il fait combien? 260. Lui, il fait 190, 110, 60. Précision, 93. Moi, bah, l'ana, hop. C'est bon. J'ai quoi encore? Là, ce sont tous des modes. Fusil de combat, pareil, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Le collision. Mais j'ai quoi, moi, en stuff? Faudrait que j'irai voir après. Fusil d'assaut. Ah, c'est un fusil, c'est ça que j'ai.
il est niveau 1. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Voilà, déjà, je regagne un peu de place. Niveau armure, brassard. Armure, kert. Moi, je suis en pionnier niveau 2. Le kert, c'est... au-dessus. Je casse. En consommable, je n'ai pas touché. En recherche, plan d'armure, je peux faire quoi? Assaillant, oui. Ah, arrête de... Ça, j'aime pas quand ça bouge comme ça. Ouais, brassard pionnier. Eh ben, je vais peut-être me faire du craft... On voit hein, que je peux. Je pense qu'il va falloir que je m'en fasse. Ouais, il va falloir que j'aille me crafter un stuff niveau 3 parce qu'on voit que ça commence à devenir chaud. Ouais, pareil, niveau arme, faut que je passe niveau 3. Faut que je passe niveau 3. On va prendre ça. Demande officielle pour Darket Tervian Tiervian, numéro 28. Je renouvelle la demande. Je renouvelle la demande. Bradley. Je sais que tu n'y es pour rien. Je sais qu'elle est censée faire partie de la deuxième vague, mais je veux garder une trace pour dans quelques années, quand tout sera calmé, qu'on puisse vraiment. On puisse vraiment s'énerver sur la durée qu'il aura fallu pour réunir les familles. C'est vrai que ça c'est un gros problème. Vous voyez que ça barre d'abord du Nexus, mais je persiste et je signe dans mon choix. On ne peut pas libérer tout le monde sous prétexte que les gens en ont envie. S'il n'y a pas les ressources, on peut pas. Par contre, il faut se bouger le cul pour qu'ils puissent sortir le plus vite possible. Ça, c'est clair, net et précis. Fin de la partie. Surtout celles qui ont été touchées par la tragédie des sites 1 et 2. Tu sais que ça existe, les promesses non tenues. Ça, par contre, si on leur a promis, c'est pas juste. Demande de déploiement de Darkheart Tiervian Exoscientifique, c'est un atout qui nous aidera à développer. C'est aussi ma fille. Ah! Ah, c'est sa fille, et en plus ça peut être un atout. Ma foi, pourquoi pas? Rapport à... du matériel perdu à... Merde, j'ai pas lu! On s'est pas décarcassé à rendre des avant-postes viables, pour ensuite abandonner nos ressources comme ça. Allons voir ça. Je suppose que c'est un truc qui s'est perdu quelque part. Bon, c'est cool ça. Station avancée. Station de recherche. Ah là, c'est là-bas le ravitaillement perdu. C'est quoi la station avancée? Une station avancée. Ouais, mais je l'ai activée déjà. Il est où le problème? Pourquoi il y a un point dessus? Ah, c'est ravitaillement perdu. D'accord. Bon, ce que je vous propose, c'est que ça, on ira le voir au prochain épisode. Mais qu'au prochain épisode, on ira d'abord faire ce coup de l'arche à Sari. Allez, ciao les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu. Ciao, ciao.